Ça. On parle d'un million d'albums vendus, bordel de merde. C'est pas plusieurs projets. C'est pas plusieurs projets, c'est un projet, c'est pas un single, c'est un. En fait, c'est pas fini, je suis encore là. Hey bah ouais. En fait, on va en reparler en fait. Ouais. En fait, nous dis ce qu'il est là, monsieur dame. En fait, là, il a écrit un million pour ceux qui. Opération, montrez-nous. Ta maison, c'est toi qui te bats la poitrine. Fali, tu te bats la poitrine que toi tu es numéro un, toi tu es le plus riche. Montre-nous ta maison. Maître Gims nous montre sa maison chaque jour. Sa maison a des piscines, piscine. Sa maison a des salles de jeu, salles de sport. Toi, ta maison a quoi? Opération la Kisanda Kouya Fali. Montrez-nous la maison de Fali. Vous parlez trop. Vous incitez beaucoup. Venez avec des preuves à l'appui que Fali a une maison. Venez avec des preuves à l'appui que Fali a une résidence en France. Amenez-nous ça. Puisque Maître Gims nous a montré au Congo plus de 4 parcelles. Au Congo, parcelles. En Europe, il a maison. Au Maroc, une maison comme mosquée. Ndakweza loko la mosquée. Mosquée. C'est censé donner un triangle. Ça, ce n'est pas une maison. Ça, c'est villa. Ça, c'est château. Château. Maître Gims, il a château au Maroc. Fali, toi, tu as quoi? Toi, tu as quoi, Fali? Tu as brûlé les gens. Tu as brûlé les gens. Toi, tu as quoi? Maintenant, tu vois. Bino bafani ba waro le waro qui ne sont pas intelligents. Vous aviez sorti la nudité de Fali Ipupa. Les gens qui pensaient que Fali Ipupa avait une maison. Aujourd'hui, tout le monde a su que Fali était locataire. Les gens qui savaient que Fali était un beau papa, tout le monde a su que Fali c'était un irresponsable à cause de vous les waro. Vous voulez comparer Fali à tout le monde. Vous voulez montrer au monde que Fali est numéro un. Pendant qu'il n'a jamais été numéro un. Au Congo, nous avons M. Mohombi, qui ne parle pas beaucoup, mais qui a des œuvres. Il a eu même des disques de diamants en Amérique latine, Mohombi. Fali a eu quoi? Mohombi a des maisons en Europe. Au Congo, Fali a quoi? Même une petite maisonnette. La maison qu'on a brûlée par les gens de l'IDPS. C'est ça que vous appelez maison d'une star. Une maison qui n'a pas de caméra de surveillance. Une petite maisonnette. C'est ça que vous appelez résidence de Fali. Pendant que un monsieur qui est insulté chaque jour, chaque seconde sur les réseaux sociaux, il a un château au Maroc. Un château, je n'ai pas dit maison comme nous là, on a maison. Je n'ai pas dit que vous qui m'écoutez, vous avez des maisons. Mais lui, il a un château avec une piscine, salle de jeu, salle de sport. Il y a un amphithéâtre dans sa maison. Fali a quoi? Parce que quand on voit Kanye West, il a sa maison. Tout le monde connaît sa maison, la maison de Kanye West. On voit T.I., tout le monde connaît la maison de T.I. Vous allez voir DJ Khalid. Tout le monde connaît la maison de DJ Khalid. Mais toi, Fali, au Congo, on connaît la maison de Inos B. On connaît chez Héritier Watanabe. On connaît chez Kofi Olomide. On connaît chez Jibem Piana. On connaît chez Werason. Fali, qui connaît chez toi? Même chez Ferry, on connaît chez Ferry. Il ne faut pas embrouiller les gens avec des émissions qui ne sonnent pas aux oreilles des gens qui n'ont pas d'aboutissement. Les émissionnettes qui ne font pas la valeur de Fali Ipupa. Il faut laisser avec ça. Je n'ai jamais dit que Fali n'est pas un musicien. C'est un artiste comme tout le monde. La façon dont vous forcez les gens à accepter Fali comme numéro un, pendant qu'il n'est même pas encore numéro un. Regardez le nombre de disques d'or, de diamants et des platines que Maître Gims a. Mais n'a jamais crié sur les réseaux sociaux qu'il aime plus que Fali. Il n'a jamais dit ça. Il a toujours eu du respect envers Fali. Mais Fali, comme il a grandi avec l'impolitesse, il a
inculquer l'impolitesse aux youtubeurs congolais qui se permettent à insulter une personne qui n'a aucune reproche à propos de ses propos. Kakabino, tellement que Ponabino, c'est fallu ou rien. Mais le Congo d'aujourd'hui connaît la personne et la valeur de Maître Gims. Le Congo d'aujourd'hui connaît la valeur de Dadju. Le Congo connaît la valeur de Damso. On connaît la valeur de Nino. On connaît la valeur de Bramsito. On connaît la valeur de Mwombi. On connaît la valeur de Inosbi. Ce n'est pas seulement Fally qui est musicien. Il y en a beaucoup. Et tout ce que j'ai cité, il chante plus mieux que Fally. Vous allez comparer la voix, une voix rock et une voix d'homme, la voix au rythme de Mozart que Maître Gims a. Vous voulez les comparer cette voix à une voix vraiment qui vient de la brousse de Makelele, une voix qui n'a pas d'huile, une voix qui n'est pas dorée, une voix qui n'est même pas caressante, une voix qui est forcée, une voix qui est pleine d'autotune. C'est ça la voix que vous voulez comparer à une voix de Maître Gims. Une Maître Gims qui peut crier sans micro. Il crie sans aller hors gamme, comme Fally. C'est lui que vous voulez comparer. Mais en tout cas, vous les Congolais, vous n'êtes pas gentils. Hein? Surtout les Wario, vous n'êtes pas gentils. Vous avez vu comment Fally s'est fait insulter jusqu'à cause de vos antivaleurs. Fally, qui a été respecté. Aujourd'hui, les Ivoiriens, les Camerounais, les Maliens, le Burkinabé, les Sénégalais, tous ces gens-là, ils savent aujourd'hui que Fally est irresponsable. Ils savent que Fally n'a pas d'habitation. Ils ont aussi aujourd'hui que Fally, il dort dans des hôtels. Tout ça à cause de vous. Tout ça à cause de vous. Il y a les gens qui ne veulent pas dire la vérité. Ils veulent protéger les leurs, Fally et Poupa. Mais comme vous dérangez les gens, il faut que les gens puissent venir mettre les points sur les i dans la communauté et que chacun se respecte. C'est ce que je suis en train de faire. Maître Gims n'est pas ami musicalement à Fally. Un petit, ce jeune musicien comme Maître Gims, il a grandi et performé sa musique. Aujourd'hui, il est parmi les pionniers. C'est lui qui dirige la musique française. Et puis, un Fally qui n'est même pas capable de diriger la musique congolaise. C'est lui qui est en train de crier partout. Fally a des succès, mais il n'a pas de la musique. Fally a du succès, mais pas de la musique. Maître Gims a du succès, il a de la musique. Déjà avantage. Maître Gims chante bien. Il a de la bonne musique, la qualité artistique. Il a le message dans sa musique. Mais Fally n'a pas de message dans la musique. La voix de chanter, Fally n'en a pas. Qualité artistique, il n'y en a pas. À part la chance et le succès, Fally n'est rien. C'était un chasseur. Ce n'est pas un chanteur, c'était parvenu. À part la chance que Kofi lui a donnée, à part la chance que Kofi lui a offert, il n'est rien. Mais les personnes comme Maître Gims, lui n'est pas chasseur. Son grand-père fut musicien, son père musicien, sa maman musicien, sa grand-mère musicien, lui-même musicien. C'est une lignée de la musique. Par preuve, il y a même son frère qui est musicien d'Adjou. C'est une famille de musiciens. Ils sont venus d'arbres archéologiques de musiciens. Mais Fally, il n'a pas de musique. Il n'y a pas de musicien chez eux, à part lui. Cela veut dire qu'il était un petit danseur, un simple danseur, un Rajakula. Aujourd'hui, Kofi l'a formé, transformé, fabriqué, devenu un chanteur. Et maintenant, avec le paix qu'il a reçu de Kofi Olomide, il veut imposer, il veut embrouiller les gens. Il y a des fois, ce n'est même pas Fally qui embrouille les gens. Il connaît sa place, il connaît ses limites. Mais les gens qui l'entourent, mais c'est lui qui avoue les gens
pour embrayer les réseaux sociaux, pour insulter les gens, pour diviser les musiciens, juste pour qu'ils puissent régner. Mais la réalité est que on peut monter, on peut descendre, on peut aller à l'est, on peut retourner à l'ouest. Maître Gims, c'est le père, musicalement, il est le père de Fally Ipupa. Maître Gims, il n'a rien à prouver. On ne peut pas comparer la musique de Gims et la musique de Fally. Musicalement, Fally, c'était petit débrouillard par rapport à Maître Gims. Maître Gims, il a des disques. Maître Gims, il ne... Ah, Fally, tu vois ce que tu as cherché, Fally. Tu étais au calme dans ton coin. Comme tu veux la visibilité, on va te la donner. Aujourd'hui, on te donne la visibilité. Comme tu as cherché la visibilité, on te donne ça. Comme tu as cherché le règne, on te donne ça, Fally. Maintenant, tout le monde sait que tu as déjà une visibilité. Des papas irresponsables. Tu as la visibilité de messieurs menteurs. Tu as la visibilité de messieurs qui divisent pour mieux régner. Tu as la visibilité des provocateurs. Tu as la visibilité de toutes choses négatives presque aujourd'hui. L'homme qui t'a aidé dans la vie, l'homme qui t'a donné quelque chose dans la vie, c'est lui que tu veux poignarder. Tu oublies qu'un jour, Maître Gims t'avait donné. Tu commences à voir des petits milices, des Kadogo, comme Yorobo. Un Kadogo qui n'a pas d'éducation. C'est ton main droit, c'est le monsieur qui est derrière toi ces derniers temps. Quand il passe sur les réseaux sociaux en train de s'acharner contre Maître Gims, ça montre que ce monsieur-là même n'a pas étudié, il n'a pas fait de l'éducation, il n'est pas à cultiver. Une personne qui est intelligente, si il est vraiment dans ton entourage, si vous aviez suivi le message de Maître Gims, Maître Gims n'a parlé de personne. Il a fait son intervention. Il a fait son interview. Comme toi aussi, Fally, tu peux faire tes interviews. On n'a jamais dit que tu as clashé personne. Tu as clashé quelqu'un. Tu fais tes interviews, tu réponds aux questions selon les questions. Mais pour Maître Gims, pourquoi ça va être problème? Pourquoi ça va être problème? Ni de près, ni de loin, il t'a calculé. Puisqu'il connaît que tu n'es même pas sa cible. Il ne t'a pas calculé puisqu'il sait que tu es un petit vaurien. Il ne t'a pas calculé puisqu'il sait que tu es un petit débrouillard. Mais lui, quand toi tu le calcules, c'est que tu sais qu'il est au-dessus de toi. Si tu le calcules, c'est qu'il est au-dessus de toi. C'est que tu cherches la visibilité. Alors on t'a donné la visibilité aujourd'hui. On t'a donné que tu sois connu en tant que papa irresponsable. Maintenant tu es connu comme un petit débrouillard dans la musique. Tu es connu comme un divisionniste. C'est ça toi maintenant. Moi je vais arrêter la vidéo ici. Parce que les vérités blessent. J'aime que les gens se blessent avec des vérités. Mais qu'ils puissent se guérir de leur maladie. Moi c'est Gilmas. Chronique d'Inès TV. Toujours Kafou. Je suis là et je reste. Bye.